Dina, c'est un bang masque à gaz. Il était vraiment pas con. Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périme, la weed? On va voir. Un coup de main? Non, c'est bon. Oh, putain. Donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Ah, j'avoue. C'est... Ouais. Et merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah quoi, je l'ai ouvert. Ça sent bon. Tu sais... On va rester coincé un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. Un étant complètement nul à chier, et 10 étant à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça. À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6? Oh. 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein. Personne t'en empêche. T'as intérêt à faire mieux que 6.
Par ici! Ah, stop! On s'en fout. L'important, c'est de se casser d'ici. Si on sort par derrière, il y a peut-être moyen de dame de chalet. Ah, j'ai pas de meilleure idée, en tout cas. Hé, hey, t'as un flingue? Ouais. J'espère que tu sais t'en servir. Te laisse pas distancer. Faut qu'on prévienne les autres. Et qu'on vienne avec les renforts. Avant ça, faut déjà qu'on survive. Surveillez le flingue. Putain! Tous ces enfoirés! C'est Tommy. Lui, c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby. Abby, tu vas bien? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Jackson. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusque-là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez. Allez! Et celle-là? Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et
J'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure, là. Oh. Je l'ai fait exprès. Pourquoi ? Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... En fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe! T'es chiante. Quoi? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde? T'as entendu? Y'a quelqu'un en bas? Jessie? Oh, merde. Reste où t'es, d'accord? Tout va bien? Attends 2 minutes! Mais retourne-toi, bordel, mais qu'est-ce que tu fous? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors! C'est de la weed? Qu'est-ce que tu fais là? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça? On les a attendus pendant 1 heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être rentrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok? Ok. Une seconde. Vous voulez qu'on décèle vos chevaux? Non, non, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité? Et où t'étais passé, merde? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, ces types? Et vous êtes là depuis longtemps? Non, depuis hier. Hier? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin? Rien, on fait que passer. Et vous, vous habitez par ici? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Rappelons !
C'est bon? Il est à chasse. Mettez-le contre la vitre. Tommy! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Puta madre! Joël Miller. T'es qui, toi? Devine. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez! T'as pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. T'es vraiment un imbécile. Tu croyais crever si vite? Joël ? Tommy ?